nouveau vlog au Canada, toujours dans le froid. Il fait aujourd'hui 0 degré, non, je pense, ou 1 degré. Il n'y a pas la météo, 1 degré, je me trompe pas, il fait 1 degré. Aujourd'hui, on va se balader dans London et on va surtout aller au musée des enfants, le Children's Museum. Il paraît que c'est un super musée où les enfants peuvent toucher à tout. Et même là, je crois aujourd'hui, exceptionnellement, faire de la peinture et tout. Donc, on a hâte de voir ça. C'est 8 $ canadiens par personne et 2,50 $ pour Oran, pour les moins de 2 ans et demi. Donc ben, on va découvrir ça et puis ben, peut-être je filmerai un petit peu, je ne sais pas, je verrai. Et puis on continue cette aventure. Comme d'habitude, si vous aimez bien ce style de vidéo, n'oubliez pas de liker. Oui ma chérie. Ah bah c'est pas grave, on va lui mettre après. J'ai une tête de fatiguée en ce moment. J'ai du mal à me remettre du jet lag. C'est assez impressionnant. Bref, alors le Children's Museum était vraiment trop bien.
Ma fille, elle s'est éclatée, même mon fils d'ailleurs, qui a gambadé partout et fait sa petite vie. C'était vraiment très bien. Vous avez à Paris la cité des enfants qui ressemble un petit peu à ce style de musée où les enfants peuvent tout faire, tout toucher. Ils expérimentent un peu la vie d'adulte, entre guillemets, en version petite. Donc c'est vraiment cool. De toute façon, je vous ai mis quelques petites images. Et maintenant, direction les magasins. Oui, encore. Mais en fait, on voudrait aller au Superstore pour acheter quelques petites choses. À manger pour ici, et on voudrait aller aussi comment ça s'appelle? Au mall pour mon mari, il se cherche un manteau d'hiver. Ce soir, petite sortie en amoureux, oui, Katie et Bill ont été trop sympas et ont décidé de garder petite crapouillotte parce que Oran dormait. Du coup, destination The Mall pour essayer de trouver un manteau pour monsieur et peut-être au Five Guys ou Wendy, ça s'appelle? Wendy's, on va voir. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de ce vlog aujourd'hui. Youhou, il y a du soleil, vous ne verrez peut-être pas, mais il fait 2 degrés. Je sais qu'à Paris, je pense actuellement, il fait 27 ou 28, je ne sais pas, ou Sophie, tu sais. Bon bref, il fait hyper chaud. Nous, il fait 2 degrés, donc bon, on va pas se plaindre, mais il y a du soleil, donc ça c'est cool parce que ça fait 3 jours qu'il n'y a pas trop de soleil. Donc on est ravis aujourd'hui, direction Bayfield, sur, j'allais dire la côte, mais pas vraiment, mais... du lac qui sépare le Canada et les États-Unis. C'est un grand lac et du coup on va sur le bord du lac. Et je vais vous montrer ça. Et sur mes lèvres, aujourd'hui j'ai décidé de porter un peu de couleur, le Black Up. Vous savez que je les aime beaucoup, je vous en parle tout le temps dans mes vidéos. C'est le No Transfer rouge à lèvres liquide glossy et c'est la teinte GNT03 que j'avais reçue par la marque et que j'aime beaucoup. Il est hyper confortable. Et voilà, pour les jours comme ça où il y a un peu de soleil, ça fait plaisir. Il y a un quoi? Ah, il y a un bus. Ma fille est hyper fan des bus. Je vais vous montrer. Ah, il y en a plein, il y en a plein, vos pets. Attendez, je vous montre. La voiture. Je sais pas si vous les verrez là-bas. Il y a tout un parking de bus. De bus scolaires. Et du coup, ma fille est hyper fan maintenant. Elle est en mode repérage des bus scolaires. Oui, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Il y a plein, moi. Eh oui, il y en a plein. Oui, alors ma fille, elle veut absolument que je lui achète un bus parce que je l'avais acheté à mon petit frère il y a 5 ans. Quand je suis venue à Toronto, 5-6 ans, je ne sais même plus. Du coup, il faut que j'en trouve un à ma fille maintenant. Nouvelle mission. Mais ça, je pense que je vais attraper. Je vais trouver ça dans les magasins un peu attrape touristes, entre guillemets. Bon, direction Bayfield, c'est à 1 h de London et je pense à 3 h du coup de Toronto. Il y en a plein, oui, il y en avait plein, ma chérie. Je peux regarder là? Oui. Et sur la route, je vais lire mon livre. J'ai continué mon livre Good Girl Love Bad Boys. Je vous en avais déjà parlé dans 2 vidéos, je crois, que j'avais commencé. Donc là, je vais le continuer. Je l'avais reçu aussi. C'est des éditions Harris, je crois. Si je ne vous dis pas de bêtises. De toute façon, je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Papa.
sommes bien arrivés à Bayfield. Et c'est sur la côte, comme je vous disais. C'est hyper joli. Et c'est une ville assez atypique. Vous verrez tout à l'heure, le centre-ville est assez particulier, un peu western. Il fait un fou comme le canard, hein. 2 degrés, mais il fait un vent super froid. Donc bon, on va aller se balader dans la ville et peut-être essayer d'aller sur le bord de la côte. Mais à voir comment on arrive à faire ça, mais il fait vraiment, vraiment très froid. Il y a du soleil, c'est mieux. Les maisons sont assez atypiques ici. C'est trop mignon et c'est des vraiment toutes petites boutiques. On a acheté des petits. J'ai encore acheté des livres dans une librairie, enfin un magasin de livres. Attention! Il a beaucoup de temps! On ne peut pas aller au virage! Moi, je vais tout mouiller après! Il va me tuer! Ah bah oui, non, il ne faut pas aller dans l'eau! Hein? On va pas dans l'eau, mon cœur! Non! Il a pas le coup de. Il a pas le coup de. Tu peux prendre un caillou si tu veux, mon petit cœur. Vas-y. Tu choisis un petit caillou pour montrer à papa. Doucement. Non, un petit. Choisis un petit caillou. Là, regarde, il y en a des petits là. Là, le noir. Ouais, il est beau. Waouh. Allez, comme ça tu vas montrer à papa. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, c'est la suite de notre vlog à Bayfield, sauf qu'on est revenu à London. Aujourd'hui est un nouveau jour. On a été ce matin au market, une sorte de marché avec beaucoup de produits locaux, bio, organique, enfin organique ici, bio, vegan, etc. C'est très sympa, ça donnait envie de tout acheter, c'est vraiment très très sympa à London. Et du coup là maintenant on va faire une petite virée rapide à Bath & Body Works pour un truc que je voudrais modifier et peut-être à Michael's. Du coup je vais peut-être vous emmener dans Michael's si j'arrive à filmer dedans, on verra.